10h. La suite de notre feuilleton maintenant, et je vous rappelle que cette semaine, on vous invite à déguster les meilleurs cafés du monde. Après la récolte hier au Brésil, on vous emmène en Italie pour découvrir la recette de la torréfaction. Comment passe-t-on de la matière première, c'est-à-dire des fèves, au café à mettre dans la machine? L'Italie, pays du café, puisqu'on y sert des expressos à tous les coins de rue. La crème du café, épisode 3, c'est signé Renaud Bernard, Florence Crimon, Johan Giammetta d'Angelo, et Mélanie Laporte. Précédemment, nous avons découvert l'un des plus grands champs de café du Brésil. À chaque récolte, ce sont plus de 600 tonnes de café qui sont cueillies. Des grains que les industriels italiens attendent avec impatience. Du Brésil, le café a voyagé jusqu'à Trieste pour rejoindre les entrepôts de l'un des plus fameux producteurs italiens. Il a rejoint les autres variétés du monde entier. 800 tonnes de grains débarquent ici chaque semaine. Du Nicaragua, du Guatemala, de l'Oman, du Brésil. Le roi du café, le Brésil. Un café très fort, très intense. Mais attention, prévient Roberto Faiana, le directeur qualité de la compagnie. On peut être le roi du café, le café du Brésil. Ça n'exonère pas d'un nouveau contrôle. Et c'est comme ça depuis 80 ans. Alors dans ce laboratoire, on va tester chaque grain. Et si au Brésil, avant le départ, c'est sur leur goût qu'ils ont été choisis, ici c'est à partir de leur arôme qu'on va affiner la sélection. On le gratte énergiquement et puis on renifle afin de percevoir les odeurs. C'est un art. Comme les parfumeurs identifient la composition des parfums, nous, on analyse l'odeur des fèves. Segafredo, Lavazza, Illy, autant de noms de café qui sentent bon l'Italie. L'un d'eux nous a ouvert grand ses portes pour comprendre comment on passe de la matière première au produit fini, le fameux café italien. Un processus industriel, la torréfaction. À 200 degrés, on cuit le café comme un rôti. 9 arabicas différents sont brassés ensemble pendant 12 minutes pour dégager tout leur potentiel aromatique. C'est vraiment incroyable, très plaisant. On commence à sentir tous les arômes qui se sont libérés en 12 minutes de cuisson. Il y a un bouquet très riche, très complexe. La mer, le doux, l'acide, le fruité, le fleuri, le caramel et le pain grillé. D'une entreprise artisanale dans les années 30, on est passé ici au stade de géant mondial du café. 360 000 boîtes sortent chaque jour des lignes de production pour inonder toute l'Europe aux couleurs de l'Italie. Et si le pays s'est imposé comme une référence universelle en matière de café, c'est tout simplement parce qu'ici on l'aime tellement qu'il y a plus de café que d'écoles ou de boulangeries. Imaginez qu'on a un bar 400 habitants en Italie. La culture du café est répandue partout. Dans chaque petit village, dans chaque ville, on a la possibilité de boire un café. Vous l'avez compris, en Italie, on est fou du café. Ça fait une super perspective pour faire une grande photo de ma cafetière. Et Vincenzo Cuomo est en la matière un spécimen. Parfait, je me pose là. Ce jeune informaticien ne se sépare jamais de sa cafetière Moka, la petite casserole qui se visse. Il l'idolâtre littéralement, au point de la prendre en photo dans toutes les situations possibles. Ça fait une belle photo qui manquait à ma collection. Une collection déjà très riche. Car comme pour le nain de jardin d'Amélie Poulain, Vincenzo a fait faire à sa cafetière le tour du monde. La voici au Louvre, clin d'œil à une autre italienne, la Joconde. Devant le Taj Mahal en Inde, ou encore au-dessus des chutes du Niagara. En 2004, j'ai fait un tour du monde.
En 2004, j'ai fait un tour du monde. Avant de partir, mes amis m'ont demandé de leur donner des nouvelles régulièrement. Et au lieu de leur envoyer des emails banals, genre « je suis à Bangkok, il fait chaud », j'ai trouvé une idée plus sympa avec ma cafetière. Pour nous, ça fait partie du quotidien, les souvenirs d'enfance, quand je me réveillais avec l'odeur de café à la maison. Le café, les Italiens l'ont dans le sang, c'est leur Madeleine de Proust. On verra demain qu'en France aussi, il y a des passionnés. Et de café artisanal, qui plus est.